Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va étudier un nouveau mot, l'étymologie d'un mot. Ces mots que l'on n'utilise plus beaucoup, voire plus du tout, comme moi, dans notre vocabulaire. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai choisi un mot, voilà, je regarderai la définition au final, hein. Apocryphe. Oula. Alors, apocryphe, qu'est-ce que veut bien dire apocryphe? Alors, à mon avis, ça n'engage que moi personnellement tout seul, apo. Alors, un apo, c'est une sorte de sifflet qui imite le cri des oiseaux, hein, pour les attirer, pour ensuite les buter le coup de fusil, les transpercer. Voilà. Apo, donc. Criffe. Alors, criffe. Criffe, moi, je pense que c'est les criffes du chat, ou du lion, ou du tigre. Tu vois, les griffes, il te griffe. Voilà. Du coup, apocryphe, ça voudrait dire que c'est un apo pour attirer les félins. À mon avis, hein, je sais pas, on va voir. Je vous dis ça tout de suite. Alors, apocryphe. Ah non. Désolé. Au revoir.